Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Dit-on, on va parler infrastructure. La route Matadi sera élargie sur le tronçon compris entre Massikita et Mbinza-Pigeon, en passant par Mitédi vers le Bas-Congo. L'Agence congolaise des travaux et l'Office de voirie et drainage ont confié l'exécution de ces travaux à l'entreprise chinoise CREC-7, qui est à pied d'œuvre sur les chantiers. Je vous propose ce reportage. Les usagers de la route Matadi dans son tronçon compris entre Massikita, nous sommes là dans la commune de Ngalema et Mitendi à Mongafula, ne vont plus faire face aux problèmes d'embouteillage. En effet, le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Travaux publics, a décidé de moderniser ses tronçons d'une distance de 17 km. Les engins et ouvriers de l'entreprise chinoise CREC qui exécute ces travaux sont à pied d'œuvre, sous l'œil vigilant des ingénieurs chinois. Désormais, il ne sera plus question de circuler sur deux bandes, mais plutôt sur quatre bandes. Nous sommes en train de mettre les colonnes dans les caniveaux qui iront jusqu'à Mitendi et nous ferons de même de l'autre côté de la route. Après, tous à deuxième bande à la Kuna, donc c'est comme ça, tout Mitendi les sous. Ces travaux qui entrent dans la vision politique du chef de l'État, qui est celle de la révolution de la modernité, seront lancés officiellement très bientôt.